c'est un grand prophète, hein. On doit se dire la vérité. Mm. Des fois, je ne suis pas d'avis dans beaucoup de choses que le vieux fait, mais Denilé, c'est un grand prophète et c'est un père dans cette nation. On a connu Adjinaba, là, on a connu après, y a eu Sonny Kafuta, Coutinho Fernando, Kiziamina Kibila, et les jeunes qui sont venus à la quatrième position, c'est Denilé. Il a bougé sa génération, c'est comme un père. C'est comme un père, moi je dirais, c'est l'espère qui bénit l'inférieur. C'est l'espère qui bénit l'inférieur, on ne peut pas extrapoler la parole de Dieu. Donc là, c'est l'extrapolation de la parole de Dieu. Et malédiction, balancé contre Denilé, son héros, soit épais rapidement. Balancé, Denilé, c'est un mancuni, c'est un mancuni, c'est un mancuni. Que tu sois fier, parce que moi je suis contre ça, mais du moins, ils ont l'embi, ça va te mouter, ils ont comme ça va te incrédule, ils ont battu. Et le diable est en train de profiter pour détruire l'église de Jésus. Vous voyez, bâtir une église comme le centre de réveil spirituel, Moussa, Papa Kabundoué, Zassa, Moussa, Makazi. Enfin, c'est pas de blague. Se réunir 50 personnes, Papa, ils ont jeté. Vous voyez, donc on doit éviter certaines choses pour nous dire que Moussa, là. Moussa, là, on a bâti la souffrance et tout comme ça. Moi, je dirais, et ça, Papa Kabundoué, ça. Et ça le papa Denilé si ba tcha sagesse na makambo et ba pratique moko yo ezali malamu te parce que biso bo to bo yango nya singa na ko bo yango pe parce que nena iko na lio banzambe c'est le super qui ben l'inférieur Denilé ça inférieur te quoi que peu gozala mon ba faiblesse gentillesse aya talio na singu ngalo na singa ta 1000 fonte na singa yo le bité que oza mutu mabe mais du moins que na o singa pour moi to cha sagesse na makambo ko za malam mingi to éviter est-ce que ba stratégie bota la lelo et di ba diata à l'équipe na télévision ko empêcher ba tu ba finga c'est une très bonne communication parce que leader ko za sécurité na ko finga té parce que leader ba ko za dé leader donc ba ko finga ba théâtre toutes ces scènes là moi je dis c'est obscène à l'église au fait. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, vous nous captez sur Équilibre TV. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes là devant vous, Jérémy Luemba, les Renards du désert. Alors, vous le savez très bien, le pasteur Wallace est en conflit avec Denis Lessi. Baudio est circulé. Est-ce que Baudio est authentique? Est-ce que ça montage? Est-ce que Zali forme et réconciliation? Est-ce que Zali forme moko ya deal ya cop entre les deux pasteurs? Nous développons tout à l'heure avec mon invité, l'apôtre Gédéon Kayembe. Également, il faut noter que la communauté kimbanguiste, Bazana Deuil, Papa José Biangenda à Koufaki, Zali Leki à Otobengi, chef spirituel, Papa Simo Kimbango Kiangani. Donc, tout à l'heure, Nathalie Bakongole et Bélé Bazo pour le Miki Balobi. Comment est-ce que Papa Simo Kimbango Kiangani, Oazan en Kamba, Bengakaï Tatan Zambé, Boni, le Kianzambé à Koufi, Yenzambé à Moni et Lokote, Batou Bazo critiqué à travers les réseaux sociaux. L'homme de Dieu, AGK, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy Luemba. Débutons par la prière, Papa. Éternel Dieu, tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Et nous bénissons cette émission. Que tout le monde qui suivra cette émission soit touché, béni, visité. Qu'elle avait changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, rapidement, je dis merci à Damien et Djamboya, mon frère depuis les États-Unis d'Amérique. Damien et Djamboya, n'a plus merci. Les célèbres Dienzundu à Washington, Yalu Zombala de Madrid, Keke Monama de Paris. Merci à Sema Mayasi. Femme légitime, agency Mayasi Forza Italia. L'homme de Dieu, d'entrée de jeu, boni santé, boni ministère. Oui, ça va. Hier, Zagui, dimanche, culte le Kende. Oui, ça va, culte le Caribien. Il va être très bien. Je crois que vous allez en direct sur la chaîne sur YouTube. Gérardon KMB TV, bande de gros abonnés. Vous allez en direct sur la culte. Gérardon KMB TV. Donc, culte le Caribien, très bien. On a parlé de nouvelles choses, mais pendant au moins de nouvelles choses. Il faut marcher dans la foi. Donc, c'était très bien passé et la gloire de Dieu était très fort, le binaculte. Alors, l'homme de Dieu, un mot dans la communauté kimbanguiste, Babongisi, Papa José, Diangenda, Kiangani, les frères biologiques, il y a Papa Simo Kimbango Kiangani, Oaza, père spirituel,
tata nzambe nde babengaka ye okolo banini le monde ba communiquer ba to ba réagir ba bi comment les kanzamba ko kufa boye ye moko nzamba mune lo côté. Tu te dis quoi d'abord kimbangiste on dimara doctrine na bango ni babengaka papa kianga ni nzambe ou bien ozana approche différente ko pesa. Bon, en fait, vous parlez de d'un événement mortuaire, Moutakoufi. Et moi, je dirais par rapport à la parole de Dieu, en Hébreu, chapitre 9, verset 7, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient les jugements. Donc, ils en disent là, tout le monde en bango. Donc, les surnoms des hommes là, ça ne m'importe pas. Mais, sur la tangola, il y a un mokilio, Nzela les a assurés. Donc, les a jugements. Mes condoléances à la communauté kimbangiste. Donc, tout extrapolé, tout est Koufa. Même moi, Nanzamba Koufa, parce que j'ai raté pour Annie. Jésus-Christ, avec moi, Nanzamba, mais Namokitan, moi, Koufa. Donc, ceux qui peuvent les Nanzamba Koufa, ils peuvent les faire. Ils peuvent les faire. Mais on dit, papa, Simon Kimbango, qui est en Aza, et Tata, moi, Namolimo. Tenga na ndimaka idéologie, le kimbangiste de Ezali, et Guy Jamounene. Respect à Simo Kimbangu, Fumu Kimbangu, respect à lui parce que il y a tant bonne trace à Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ, il croit en Jésus-Christ, il prêchait Jésus-Christ. Donc moi je dirais coup de chapeau à lui et puis Lelo bah pour aussi bien appeler c'est Kokisama. Donc je dis que c'est bon, mais les ismes, je suis contre les ismes. Le kimbangisme. Le isme, c'est l'idéologie après. Voilà. Mais moi, j'ai lu parce que j'ai été. J'ai lu dans la bibliothèque l'histoire de Kimbangu, comment il a servi Dieu. Il était presbytérien, non? Voilà. Il servait Jésus-Christ. Donc, son histoire me plaît. Mais après, les ismes, il y a trop de choses qu'on doit revoir. Mais je respecte le prophète Simon Kimbangu. Alors, merci beaucoup. Nous respectons le prophète Simo Kimbangu Fumu Yabayindo. Pour na papa José Diangenda qui a gagné personnellement, ba Congolais belé, bozobenga ele kanzambe, il n'a jamais dit qu'azali le kanzambe. Ezali makanisi, ya ba kelke kimbangiste ba kanisa papa Simo Kimbangu. Bon, ce qui le kanzambe kufi problème ça, wapi. Donc, à rester d'extrapoler les choses, Moutoko vivre une fois, Neng Hébreu, chapitre 9, verset 27, il obit, et Nassimanango, jugement, les alibis, tout au coup, pas jugement, Golanabiso. Donc, tout extrapoler. Alors, apôtre, je donne Kaimbe, quand même, le lot moni débat. Lorsque tu allais na Babilili, au moni na église à pasteur Walesa, en plein kilt, un très bon dimanche, il a eu quand même le temps, il a qu'au dévoiler, bah, secret caché à Denis Lessi. Et puis là qu'il a posé image, le pasteur Walesa a enterré Denis Lessi spirituellement. Et puis il a maudit devant les gens. Yoza Moussa Nzambe. Au moins acte on a négligé. Peu importe leurs conflits, leurs choses, leurs divergences, les cela makiona, banganga wana, tout ça, dévoilé, audio. Au moins au seul lecture de Makambona. Tout le temps, on a pensé à la Bible, Hébreu, Ecclésiaste 7, 11 à 13. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage et profitable pour ceux qui voient le soleil, car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre celui qui la possède. La sagesse fait vivre celui qui la possède. Vous voyez, Mbalo Barabi Tumbabanzoko, Matisse Nemona Apasi. Voilà, on nous sommes entrés dans. Vous voyez les bandimi, Bazana Bataba effervescence. Non. La sagesse est importante à l'église, papa. Vous savez, moi je suis en train de prier pour beaucoup de gens qui sont en Europe. La communauté au fait, diaspora, Libanamboka. Papa Banba dans un problème, hein. Les gens de problème, tout cas, laissons le végétariat, le fanatisme, laissons ces choses-là. La sagesse est très importante. C'est que moi je dirais au prophète Denis Lessi, au pasteur Kamundu Alessa, la sagesse est profitable que la direction. Alors, tant que tu as les scénarios, on a un bazo kunda Denis Lessi spirituellement, c'est la méchanceté. Tu te dis quoi? Et ça, conséquence, c'est l'aventure. Yo personnellement au définir à Ondéni.
Daniel, c'est un grand prophète, hein. On doit se dire la vérité. Mm. Des fois, je ne suis pas d'avis dans beaucoup de choses que le vieux fait, mais Daniel, c'est un grand prophète et c'est un père dans cette nation. On a connu Haji Nabala, on a connu Sonny Kafuta, Coutinho Fernando, Kiziamina Kibila, et les jeunes qui est venu à la quatrième position, c'est Denis Lessi. Il a bougé sa génération, et c'est comme un père. C'est comme un père, moi je dirais, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur, on ne peut pas extrapoler la parole de Dieu. Donc là, c'est l'extrapolation de la parole de Dieu. Vous voyez, moi je dirais ceci, que on peut tout dire, mais extrapoler la parole de Dieu, c'est pas bon. Non, François Bakundi est banté. Je ne parle pas extrapoler. Bah, parce que français, bah, on a mis saut. Ouais, ça, c'est bah, déviation et tout comme ça. Beaucoup n'a dit les signes ni. Nous avons ben gaya Kundi nante. Nous avons appelé ça un mandat. Bah, Jérémy Mahimba, bah, Bakufa, bah, Kenda, bah, Silas Benson, bah, Timothée Kiesse. Tous les prophètes de l'époque, il est resté le seul prophète. Oh, il y a génération, bah, Timothée Kiesse, et bah, Jérémy Mahimba, nous avons battu là. Nana, il y a beaucoup de choses à la matchon. Ma grand-maman qui est ébima. Et puis, vous êtes fier de ma qui est ébima. Non, faut pas dire que tu sois fier, parce que moi je suis contre ça. Mais du moins, ils ont l'embi, ça bat mon thème, ils ont comme ça bat incrédule, bat 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 bat. Vous voyez, bâtir une église comme le centre de réveil spirituel Moussa, Papa Kabundoulé, Zassaïcha Moussa Makazi. Vraiment, c'est pas de blague. Se réunir 50 personnes, Papa Isaïe Jeté. Vous voyez, donc on doit éviter certaines choses pour que Bébissa Moussa là. Moussa là, Mouta, bâtir dans la souffrance et tout comme ça. Moi, je dirais, et ça, Papa Kabundoulé, ça, et ça, Papa Denile, si, Bacha, sagesse, na Makambo, Oyo. Et moi, je dirais à tout le monde, Oyo, peut-être Lelo, moi, na Congo, toi, na respect à ba. Bah, patrimoine te. Denis Lessi, c'est un patrimoine du réveil aussi. A mimi vent prophétique, moi, ma casse na mboka, oh lelo, la mouvement de la jeune belle. Kabounouale, ça fait aussi son travail, vous voyez. Denis Lessi avait son temps. Oh, ils allaient, tant, oh, ils allaient, bah, tombe le Kabounouale, ça. Respect ça, là, mutuellement, entre Bangouba, tcha sagesse, tout éviter, bah, insanité, bah, pratiquement, koyo, ils allaient malamouté, parce que, biso, bo, et trop, peu, bo, yango. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dès que ça a inférieur, quoi que peut causer la bombe à faiblesse, à gentillesse, à y atalier, à singu, à singu, à mille fontes. À singu, le but est que, aux amoutoumabe, mais du moins que, au singa, pour moi, tout ça, sagesse, à ma cambo, à la malamingi, tout éviter. Est-ce que malédiction, balancer contre Denis Lesson, et vous voyez rapidement? C'est le Denis Lesson, à ma cunis, à la bangouma. Laisse peu maudire yé, église est maudire, simba pao pao, to maudit, to kunde, to kundi. Non, non, le bela, c'est un peu maman, n'a pas mission. Quand tu as le bela, le actualité, moi je vois ça, ce sont des buzz inutiles. Baroubong sanabango. Kabunjo, allez ça, n'a pas de nids, baroubong sanabango. Mais toi, tu as le nid, ni, mais on a besoin de poto, papa. Bah, toi, tu as le problème. N'est pas que papa, tu as la bise aussi. Maman, tu as le problème à casse la vie. Tu as besoin, prophète, il y a mis la chaîne, il a passé un message à l'aube. Il a fortifié, tu as le macamois, tu as la vie. Moi, je trouve que. Ah, moi, je. Non, ça, je me vois même pas, au fait. Moi, je fais ma communication. Je suis venu parce que Dieu m'a dit dans l'émission, le loto bon de la pône à Batou, to bon de la pône à ma famille, to long à ma réclamation, à ma kindo qui m'a mieux qu'un kanga Batou. Pour Denis et Kabounoulé, ça va, Mikolo, ba papa, ba na bana, ba oumeli, tant que Mikolo, n'a pas emballé. Donc, maman, on a commenté, on a été, bachara sagesse, pour nous reprendre, je suis voilà, et merci. Alors, sauvons les âmes, gardons bien jalousement, bah, ami Nzambe. Église, c'est un champ de bataille, c'est un lieu à scénario, c'est un lieu à théâtre. Ceux qui ont besoin de rancune entre deux pasteurs, conseil, c'est simple, allez les traiter en privé, que de venir l'exposer devant les gens, bah, spectacle, voilà, et qu'on aurait combo Nzambe. Que Papa Mutombo, à l'époque, quand Denis taquait Papa Mutombo, vous savez qu'on n'a pas eu de bruit dans cette ville, hein? Mais Mutombo a géré. Il faut bureau et communication. Il y a l'homme de Dieu, l'évangéliste, Kabounjoualé, ça. Base à la stratégie. Au moins, base à la stratégie. Il dit que l'équipe de la télévision pour empêcher Batouba Finga.
C'est une très bonne communication. Parce que leader, il y a ce qui est dans le parce que leader, il y a des leaders. Donc, le théâtre, toutes ces scènes-là, moi je dis, c'est obscène à l'église, en fait. Créons la sagesse, tout battre là-bas, âme. Il y a ce qu'on fait là-bas, âme. Et dans le pasteur, moro, tu es à la dénilée, c'est au Kabundalé, ça m'attend à Koulousou, à couper les moundinim encore. Mais tant qu'on a fait ça, Jésus, il y a âme, bande de homme de Dieu, ba père, boye ba gérer ba âme. Que la gloire ou l'argent ne nous fait, faire, nous fait pas faire des choses, oyo, et bon, c'est bandimi. Vous savez, il y a des gens qui vont analyser l'événement, ils vont analyser ce qui s'est passé hier, ils vont analyser les émissions de Denis Lessi. Il y a des gens qui vont croire à ce que Denis Lessi a fait. Il y a des gens qui vont refuser ce que Papa Kabounouale a fait. Il y a d'autres qui vont accepter. Mais ça va mettre la balance et y a créé, ça va créer une décadence, un déclin. Donc moi, je dirais à l'évangéliste Kabounouale, ça va gérer la communication à la bango. Au moins, dès les gens qui ont combo, Papa Kabounouale, ça, tout Kabounouale, ça, à ça, il y a une saison. Baba Marga libanga na manga ya côté là tant so yomo kota boko kota repère de focalisation likamangu mebimi bolandi oh ya maria tumba bolandi mais tu vois comme une distraction tout le buzz c'est à dire au moment de paix biloka mosani minje mosani et comme okita notoriété comme okita comme okita c'est une attaque besoin attaquer notoriété parce que c'est lui actuellement parce que moi le Seigneur m'avait parlé Kabounouale ça deviendra un phénomène Kabou c'est à dire il sera dans la bouche de tout le monde. C'est la prophétie que Dieu m'avait donnée. Mais dans les gars, dans le bango, dans la BGT, il y a peut-être qu'on non. Il y a peut-être que non. Et il y a une saison, il y a pasteur Claude Kabundi. Il y a une saison, il y a un projet. Mais ce qu'on va attaquer, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et je vais vous dire, na confiance, et je vais vous dire, et que ça, le ministère qui a déclaré, le conseil n'a coupé ça, va éviter, va focaliser dans Moussa, va focaliser dans Moussa, oh, Denis, je vais vous dire, oh, Maratoumba, et qu'on distrait, et qu'on va agir, va kangabat. Bon, ça, après, il faut quitter le ministère. Donc, moi, je dirais, et là, on a reçu, 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 on a vraiment, à tia sagesse, ma casse, na makambo, oyo, pour ministère, na ye, et compter toujours comment. Parce que la Bible dit, la sagesse est profitable que la direction. Merci beaucoup. Alors, merci pour ces conseils, apôtre Gédéon Kaimé. C'est vrai, nous vivons des choses bizarres dans l'église d'aujourd'hui, beaucoup de réalités. Mais c'est vrai, peu importe, babeuse, l'actualité, il y a des familles, il y a des gens qui ont des problèmes. Qui cherchent des solutions. Bato bazana ba condamnation, bazana lié, bazana ba freinage. Bato ba tourner sika moko, esprit de mort et telemi bando tomabe et consort kobanga. Mundumsu pa za wana za il est inquiété. Il manque la paix. Bato a catégorie wana bana bezo ba yoka sango malamu bonne nouvelle nenza na kala ba campagne d'évangélisation. Mais le ba passé bazaka na makiona ba conflit d'intérêts. Guerre à leadership, et voilà, et tout ça, ça affaiblit même Kondimé Batubele. L'homme de Dieu n'a pas su en même temps au exhorter Bato Bazana, bah, problème, Bato Bazana, manque à paix. Il est inquiété à tout moment. Le moment, monsieur Jérémy Lema, vous savez, le retour au monde, il y a la réclamation. Les diables étaient de réclamer les âmes. La base. Oui, tout en dit Luc 22, 31 à 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et quand tu seras converti, affermi tes frères. Et ça, c'est une réclamation à Satan. Monsieur Jérémy, et ça, c'est une réclamation à Satan. Et ça, c'est une réclamation par Satan. Satan a réclamé étoile, Satan a réclamé destinée, Satan a réclamé ma chance. Et Satan a réclamé Bango. Il y a Satan qui a réclamé Job et Panzambe. Il y a beaucoup de gens, ce que tu es en train de voir, ils ont une réclamation satanique provenant de la famille. La Bible dit quand les fondations sont mauvaises, que ferait le juste? Le diable est en train de te réclamer pour Kokoya. Il te réclame à la rétrogradation. Il y a beaucoup de gens, ils sont là, forts, ils sont bouna, mais ils sont là. Et ils sont là, 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 ils sont
de projets de paix, de bonheur et non de malheur. Lorsque vous êtes en train de constater, mon frère, ma soeur, il n'y a que des malheurs qui s'ensuivent dans ta vie, sache-le bien, ce sont des réclamations sataniques. Deuxièmement, la Bible a dit ceci, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Mais quand tu remarques que ta vie ne conforme pas à la parole de Dieu, bien aimé, bah que les alliés bah réclamation, bah on réclame liba anayo, bah on réclame bah anayo, bah on réclame chance nayo, bah on réclame bah ouverture nayo, bah on réclame makambe bene la vie nayo. Bien aimé, écoutez, beaucoup de gens actuellement se disent que vous menez à Koufalangaï. Ils se disent que non, qu'une église, vous menez à Fanan, passez à Koutoubango, mon copain. Mais en réclamation, et en réclamation, le diable veut que ta foi défaille, ta foi faillit pour agripper comme du froment. Parce qu'il sait, si tu crois toujours aux hommes de Dieu, oh my God. Papa dit que dans la Bible, les années perdues, il y a papa ba Saoul. Batinda Saoul, là, qui est le Nes, Alouki, 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 et il dit que. Pour que commis, Babito Zonga, le père sera plus inquiet des ânes, le père s'inquiétera de nous. Et il dit à son serviteur, y a-t-il pas un prophète de Dieu dans cette ville où pourrions-nous consulter Dieu? Bien-aimé, il y a des prophètes que Dieu a établis pour que vous puissiez consulter Dieu par rapport à ton problème. Bien-aimé, qu'on fasse un orgueil, non. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu. Tu as des problèmes. Il y a des certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Au cours d'un 1000 euros, 10 000 euros, on a compté. Au cours d'un bon, mais il y a certaines choses qui ne marchent pas. Pourquoi tu restes calme? Consulte un homme de Dieu. Appelle ses numéros, consulte. Il y a une parole que Dieu a prévue pour toi. Il y a une direction, une voie que tu dois suivre. Saoul dit à son serviteur, il nous montrera peut-être la voie que nous devons suivre. Dieu, la Bible dit, il enseigne ses voies à Moïse et le peuple voit les œuvres. Dieu enseigne son serviteur ce qui doit être donné comme instruction pour mon obéissance la situation. T'as la vie, Nayo. Il y a la rétrogradation. Tu fais qu'il y a une marche arrière. Ou on a recul. Ou on a retard. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne marchent pas. La rétrogradation est une système maléfique qui consiste à tirer la vie de plusieurs personnes vers le bas. Lorsque le diable vous réclame, bien aimé, il projettera sur votre vie l'esprit de la rétrogradation. C'est quoi la rétrogradation? La rétrogradation est un système maléfique où ils ont consisté à combattre le progrès dans la vie. Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est l'évolution au sens d'amélioration. Je répète bien, le progrès, c'est l'évolution au sens d'amélioration. Qu'est dit la Bible? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui sommes transformés à la même image que lui, nous allons de gloire en gloire. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante de l'aurore, dont son éclat va croissant jusqu'au plein jour. La volonté de Dieu et que tu montes, la volonté est que tu avances. My God, la terre où tu habites comme étranger, Dieu te l'a donné en possession. La terre où tu habites comme étranger, Dieu te l'a donné en possession. Mais regarde ta vie, rien n'avance. Au moins la vie clarté, au moins la maman est amolatée, au moins la maman est bongatée, ta soif est de mise en quitté. Au long mamboka. Ba botola mukana wana ba problème de onangai ba nokenda poto ozwa no mbongo mwana kimiate aja ko ba le koki mobala ate le divorce à gauche le divorce à droite ola la raté na butu so ola na butu ola taka ozo bunda yana ba tebe so ola na butu ala ta bitumba ba o laisser na butu on te fait manger la nuit na ba noto. On te fait manger la nuit d'abandoto. Il y a des combats qui te réclament. Il est important pour nous de onangai osa conscience. Il est important pour nayo otika distraction. On se connecter pour la délivrance nayo. Saoul le bino non toluki to. Est-ce que ça la mosa la nzambe moko te ko consulter nzambe bien aimé. Tu nous suis cette heure. Tu as des problèmes. Regarde tes enfants. Regarde ta vie. Tu as des choses qui n'avancent pas. Tu as des choses qui ne tiennent pas. Bien-aimé, je t'appelle. Yako zonga na makolanzam. Yako zonga na makolanzam ndeko nangai. Les prophètes, Dieu les a établis pour que nous puissions consulter Dieu. Ne regarde pas les défauts. Tobani peut semaine en haut, toi lundi. Yo la émission siko. On a un problème, on a un makambu. On a raté la boutou. Laisse-moi la boutou.
wana musala te mukana ba botola yo wana mbongo me mibali basakala na yo bana ba bala raté mwana moka bela liboma. Je prie récemment pour une maman. Quand elle a l'impression d'une mission, elle a prié pour moi. Moi, je suis conditionné comme la rabe à qui se parle là. N'abonne la ponette. Nous avons chassé l'esprit de la folie. Aujourd'hui, ses frères sont libérés, guéris. Ton bandit semaine. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? On la rabe à baisse, va passer, va ventiller, va passer, va s'en rabouer. Mais vie, n'a yo. Telle est la distraction. Ce sont des distractions. Le diable veut t'affaiblir pour y couper le problème. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Bazan a mon saint. Même moi qui t'ai pas, je suis pas saint. Mais Dieu m'a envoyé pour ta libération. Zamati n'a qui Élisée, na Samarie pour nous préserver. Tu as des problèmes et Dieu a envoyé ses prophètes devant toi pour te préserver de ces problèmes. Le numéro de téléphone est là. Appelle. Nous allons parler de toi, nous allons t'orienter et nous allons m'embêter dans la vie, nous allons comprendre. Tu as des questions qui manquent, tu as des questions qui manquent de réponses. Tu te poses beaucoup de questions. Oh, Dieu t'a permis, oh, l'anabiso, pour que tu aies la saison de gloire. La Bible dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Mais tu as la vie, dans chaque saison, ma camoufle est son agar. Rien ne marche. On évolue raté. Mais maintenant, on est dans la Poto, dans la Paris, dans la Belgique, dans la Suisse. Mais toi-même, au fond de toi, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et ça, ma réclamation. Et on colle à permettre les canaux chaînes au lelo, yo la nabiso pour la délivrance. Semaine et bandit, il faut consulter Nzam. Oh Luca, oh Yeba, ni Nassala pour la situation. Merci, monsieur Jérémy Lema. Voilà, merci l'homme de Dieu, la foi rend les choses possibles. Partout vos alliés. Aïe! Maison Mika Cosmétique et Business Bio, Eye! Eye Libino, ba produit à solo pour nous traiter ba nzoto na bino. Surtout, pour nous ba oyo, ba zalaka mabumu minene. Tala et loko oyo, kwa salake, libumu ekota, eko mamu kele kete. Yango yo! J'ai dégraissement. Yango ndez ali kosala ke. Pona ba papa, ba mela ka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te. Ongai, na bota mo ya ko kangali su libumu ezala ka te. Otika la lingundu, libumu munene. Tala ju o ya dégraissement. Soko meliango, libumu pla, neti kuto bota te. E bongo kote ba papa. Boye bake pona ba kolongondo bwa kukundu bwa nzoto bwa yo. Ye bake bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto. Yangonde kisi ya solo. Mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa. Pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali ko trete maladi lokola. Impuissance sexuelle. Ejaculation précoce. Hemorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto. Ezongi si nzoto na yo. Mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana. Ten. Che mama Mika. Azo traiter les sous-sous, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorti nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri, mwana na nganzo tezali pe na pete alembaka pamba, yeba ke awe zali na ba boui, 100% bio. To nganzo to na niveau ya nyama, pote nzoto na yo. Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyu. Okozala mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote kosmetik ebiso Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po. Ni voza ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messier. Bazali na ba produit lokola. Huile d'ananas. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, lokola mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi.
Kasi tout nan gai nini, ba kisyo nyon so ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. Ah, koutou, atam, kelekete hydroquinone, ezate pe ezala kate. So ki yo lingo benga, Maison Mika Cosmetic et Business Bio, okogi ko zwa bango na veni pozo, numéro A17, quartier Matongé. Na komi na kalamu, référence, cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo. Plus 243, 89, 98, 27, 674. Tala, bako sabinote, Maison Mika Cosmetic et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, na ba produit na bango, nyonso. C'est naturel! Avec vous. Demeurons dans la vie des prières, c'est vrai, les attaques, les combats, les choses difficiles arrivent toujours. Mais avec Dieu, nous vaincrons. Alors, notez que le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de communications, messages, appels. Et l'homme est toujours disponible pour tout le monde. Quoi. Voilà, merci encore une fois à Rodrigue Malongo aux États-Unis, Bandero Télévision en Chine. Na Switzerland, je vois également le conseiller Papa Philippe Kabouikou. Papa Philippe Kabouikou, notre conseiller. Je n'oublierai jamais le vieux Gérard Saddam à Manchester. Le Moutou Fumuzing Jean-Claude Chef Koutimé à Paris. Et pourquoi pas aussi remercier Bato Nyonso Botal Arabisso, Place Bozali, que Dieu vous visite. Pensez également à nous. On est là et le travail continue. C'est vrai. Nous sommes au début de la semaine. Chaque jour est une vie. Soyez positif et Dieu fera des grandes choses. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Numéro à contact pour na peut-être continuité à ma solo et ma prière. Voilà, numéro à contact, Ezali, plus 243 83 68 70 333. Plus 243 83 68 70 333. Après mission Bengabiso. Bien aimé, Dieu nous a donné des solutions pour ton problème. Nzamba pesinga mabala pour nayo. Nzamba pesinga misala pour nayo. Nzamba pesinga yi bana pour nayo. Enlève l'incrédulité. Jérusalem a été détruit parce qu'ils étaient incrédules. Yesu d'aller là. Si tu savais les jours de ta visitation. Mais parce que tu n'as pas reconnu, tu seras détruit. Bien-aimé, enlève l'incrédulité. Prends ton téléphone, appelle. On va prier pour toi. Tu auras la solution à tes problèmes. Et le Seigneur de gloire ne manquera pas de te visiter. Amen. Je suis sûr et certain. Après avoir entré en contact avec cette onction et cette alliance, ta vie ne restera pas la même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, M. Jérémy Lumba. Merci, l'homme de Dieu. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. On est ensemble pour de vrai. C'était bien moi, Jérémy Lemba, les renards du désert. Merci à tous et à toutes. Mimindou, mes femmes de luxe, depuis Mouching là-bas en Allemagne. Merci à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Mon président, Pedro Moutou, leader à jeunesse. Association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. La sœur Dina Kikala à Londres. Dina Kikala à Londres, une très belle chanteuse. Que Dieu te bénisse. Merci à toi. Merci à vous. Motenani. Tanya Kalona depuis Chicago. Tanya Kalona depuis Chicago. Que Dieu te bénisse. Ma fille soit bénie. Que Dieu vous bénisse. Bye. Voilà. Grand merci à vous, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, Tozali Awana, commune à Maluku. Plus précisément, dans le quartier Menkao Centre, référence entrée Refeco, donc Awa, Candy Business, à Memeli Bissoba Terrain, 20 sur 20, n'a pris à 1 500 $ américains. Donc, gagner temps parce que nous avons 2 hectares, comme vous l'avez remarqué. Quartier résidentiel, les arts vraiment chic. De gauche à droite, bah concession bah prêtre bah konziza ah ouais je pense que ce qu'on gagne temps et vous allez une bonne chose quoi ma pangoza kitoko espace ça plat et puis observer quand même l'environnement au moins que ils ont un paysage moro ya kitoko ils ont érosion terre donc bengi bandeko ya candy business partout aux ali en Afrique
na Europe, Amérique, mais bon, na Kinshasa, aux appels na intérieur en Boka, au bengi bango na numéro aux a clairement écrit plus 44 74 54 68 68 32. Donc benga Candy Business rapidement ou se procurer le pan ou non qui toque on a menka au centre 20 sur 20 Teresa na $1,500 ya pamba espace ça qui toque bien propre bien soigné et puis bazan a problème ya documenté ce que sombi le pan ou na yo ba remettre yo document na officiel ou t'auras dérangé yo azate ici y a pas de conflit parce que tout est bien sécurisé et surtout bazan a nzela ya qui toque l'avenue là concession est bien placée. Donc, on a la voiture, jeep, même la moto, au comati, na terrain, sans débat. Merci.